Ne tombe pas. Coucou tout le monde. C'est Verity et Chelsea. Aujourd'hui, on va jouer au Django Slime Challenge. XXL. T'as vu comme elle est grande la tour? Elle est énorme. Je l'ai préparée. Il y a des bonnes surprises dans chaque gobelet en plastique. Trop bien. Tu peux me rappeler des règles, maman? Bien sûr, les règles sont super simples. Il y a un deuil comme ceci qu'il faut lancer. Et là, si ça tombe sur 6, un étage qui n'existe pas, tu loupes ton tour. Mais par contre, si tu le lances encore, et ça tombe sur 4, un étage qui existe, 1, 2, 3, 4, l'étage rouge. Il faut choisir un gobelet en plastique. On peut choisir, par contre, là maintenant, on peut choisir quel gobelet. Oui, on choisit un gobelet et on le retire, mais il faut faire très 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 attention quand on le retire. Mais quand on le retire, qu'est-ce qu'on fait après? On le met à côté ici? Quand on le retire, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y aura peut-être un ingrédient de slime ou peut-être autre chose. Mais il faut faire très 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 attention de ne pas faire tomber la tour. Et une fois que tu as ton gobelet, tu le poses là-haut et tu commences une nouvelle étage. Trop bien. Une minute, maman, c'est toi qui as construit tout ça. Donc, ça veut dire que tu as sûrement triché. Tu as tout organisé dans ta tête. Non, t'inquiète, je n'ai pas triché. C'est très, très juste. C'est fair play pour tout le monde. Ok, pour être sûr, tu vas fermer tes yeux comme ceci. Et je vais tourner. Verity, tourne la tour. Bah, je ne m'inquiète pas du tout parce que je ne triche pas. C'est ça. Allez. N'oublions pas que nous allons trouver des ingrédients de slime pour créer un slime incroyable à la fin. Les amis, si vous aimez ce que j'ai fait, laissez un méga pouce bleu maintenant. Pouce bleu. Si vous adorez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Verity and Chelsea. Allez maman, la plus jeune commence. Mais c'est toujours toi Verity. Oh. Bonne chance. Allez, tu as mené un bon numéro. Bravo Verity, c'est le deuxième étage. C'est les gobelets en plastique jaune. Je vais prendre celui-là. Verity, t'as commencé. On ne triche pas. Tu as touché le premier. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il est vide. C'est pour ça que Verity voulait changer de gobelet. Parce qu'il était tout léger. Voilà, donc il n'y a rien. C'est mon tour. Tiens. Loupe ton tour. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne Instagram Verity and Chelsea Family. Je poste des vidéos et des stories et des photos tous les jours. Vous serez les premiers à voir les cadeaux qui sont dans le ventre de Chelsea. Allez. 5. Hey, merci. 1, 2, 3, 4, 5. Ça n'existe pas. 2. Encore l'étage jaune. Celui-là. Tu prends lequel? Celui du milieu. Bonne chance, Verity. Tu as commencé. Tu veux déjà faire tomber la tour, Verity? Non, j'ai peur. C'est un slime. Waouh! Le premier ingrédient de Verity, c'est un slime qui existe déjà. On pose le gobelet juste en haut, ici. C'est mon tour. 2. Qu'est-ce qui se passe sur cet étage jaune? Ouh là 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 là. Bon. Je sais ce que je vais prendre. Oh non, c'est pris. C'est à toi, Verity. Merci. Oh, 5. Verity, loupe un tour. C'est à moi. J'aimerais bien... Je sais pas. Un cadeau, un ingrédient. Ok, c'est un gobelet bleu. Je vais prendre...
c'est les taches rouges. Bah, tu as commencé à les voir. Regardez tout ça. Verity a eu des éponges. Des éponges roses. Là, il y a du rose et là, il y a du rose. Ah, c'est pas juste. À ton tour, maman. Merci. 4, 1, 2, 3, 4. Les taches rouges. Ouh, ça sera le deuxième gobelet de cet étage. Ok, je pense que je vais prendre... celui-ci. Oh, il y a un sticker à l'intérieur. Waouh, j'aurai de la pâte à modeler. Et c'est juste là, de la pâte à modeler jaune. Trop de chance, trop de chance. Allez, je vais prendre un gobelet au premier étage. Pourquoi pas celui-là? Il est vide. Bravo Verity, la tour est stable. Mais nous n'avons pas beaucoup d'ingrédients. Je n'ai que deux. Et toi? J'en ai deux, mais regarde, si on compte tout ça, j'en ai vraiment plein. Au niveau jaune. Oh là là, il en reste encore pas mal de gobelins. Je choisis lequel? Oh, c'est difficile de choisir. Bon, je prends celui-ci. Super, des balles de polystyrène. À toi de jouer, Verity. Bonne chance. Oh, j'adore ce jeu. 3. Ah. C'est la première fois qu'on tombe sur le numéro 3. Oh là là, oui, c'est le premier gobelet vert. Bon, je l'ai là. Non. Fais voir, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Ouais, il y a rien. Ah, il y a des choses. Ce mini burger a l'air super bon. Comme j'ai envie de les manger. Des accessoires trop choux pour un slime. Incroyable. Oh. Ok, à moi, à moi. Oh. Fais attention, Verity. Hein. Tu peux remettre? Bah non, je touche pas. Je touche Allez, pas. C'est ton tour. Le cup, je ne touche rien, c'est ton tour. Si tu fais tomber la structure, tu auras perdu. Il y a de l'espace encore? Oui. Ici. Super, maintenant on met un plateau blanc. Attention Verity. Oh, tu peux le mettre? Non, je ne peux pas du tout. Je ne peux rien faire, c'est ton tour. Ah. Ouh. Attention Verity. Oh voilà. Bravo, bravo. La tour est toujours stable. Tiens. Ça ne t'est pas donné, hein. 3. Je suis aussi au niveau vert. Superbe. Je vais prendre celui-ci. Oh, il est vide. Oui. À toi. C'est pas juste. 6. Tu veux ton tour. Regarde, maman. Verity, tu veux ton tour. À moi. Regarde. À non, moi. Regarde. Il y avait ça. Verity? Non, non, non. À toi, s'il te plaît. À moi, allez. Ha, ha. C'est mon tour. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant je dois prendre un gobelet vide. Ah non, ah non. Et le mettre là-haut. Eh oui. Quoi? C'est comme ça. Le cinquième étage existe maintenant. C'est bizarre. À toi, Verity. Allez, montez, tu vas me porter bonheur. Je veux plein d'ingrédients de slime. Allez, allez, je sais que tu peux le faire, d'accord? Tu peux le faire. Allez, tu peux le faire. 4. Wouh. Oh là là. L'étage rouge. Bonne chance, Verity. Pourquoi pas celui-là? Non.
Tu as commencé, Verity. Non, on ne triche pas. Tu as commencé. Oh, c'est pour ça, c'est parce qu'il était vide. Bravo, la tour tient toujours, hein. Oh là là. 5. Ok, c'est l'étage vide. Il faut prendre un verre en plastique et je prends celui du milieu. Ah! Peut-être pas, j'ai pas. Ah! Alors! Ah! Oh, d'accord. Super! Je n'ai pas perdu. 2. Oh non, oh non, non, non. L'étage jaune. Bonne chance, Verity. T'as commencé. Ah! Oh non, je tiens. Ah! Ça tient? Ah! C'est rien! Tout ça pour rien? Oui, tout ça pour rien du tout. Allez, il faut le mettre au milieu, au 6e étage. C'est mon tour. Le 2. Oh non! Oh, tu veux le faire tomber la chaussure? Oh non! Ouais, il ne reste que 4. C'est vide, mais la tour commence à pencher. Bonne chance, Verity. J'ai envie de louper mon tour. 4. Oh là là. 1, 2, 3, 4. L'étage rouge. Ok, je prends. Bonne chance, Verity. Celui-là. Oh non, je prends pas celui-là. Tu as commencé, Verity. Non, tu as commencé. Verity, tu as commencé. Non, tu as commencé. Ok. Ok. J'ai arrivé. Mais bien joué quand même, Verity, bien joué. Wow! Oh, mais qui va perdre? Oh. Toi, maman, toi! Bon, c'est à moi de jouer. 4, 1, 2, 3, 4. Oh non, l'étage rouge. Oh. Celui du milieu? Oh, le stress. Non, je prends pas celui du milieu, je prends plutôt celui-ci. Il est vide, mais j'ai pas fait tomber la tour, hein. À toi de jouer, Verity. Oh là là. J'espère que c'est celui-là en bas. C'est à toi de jouer, Verity. 3, 1, 2, 3. Oh. L'étage vert. 3. Ah, t'aurais pas dû faire ça. Ok. Celui du milieu, ici. Il y aura rien, je pense. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? De l'arôme à la fraise. Mon slime aura l'odeur de la fraise. Trop cool. J'aimerais bien tomber sur le 1 parce que je trouve qu'il y en a encore plein de gobelets au premier étage. Donc, peut-être beaucoup de surprises. Allez, c'est parti. 6. Je loupe mon tour, c'est bien aussi. Oh. Si, je loupe mon tour. Oh! Ah! Génial! Oh! Une étoile orange! Cela veut dire que j'aurai de la peinture Cléopâtre orange! Waouh! Oui, c'est oh là là, c'est trop bien! Non, c'est pas trop bien du tout! Allez, go! Oups. 4, 1, 2, 3, 4! L'étage rouge, il reste encore 4 verres en plastique rouge. Celui-là. Ah! Qu'est-ce que t'as eu, Verity? Des zombies! Non! Cool. Wow. Des orbites vertes. Oh, oui. Trop cool. Trop cool, j'adore. Ok. Oh là là. Le stress. Cette tour n'a plus l'air stable du tout. Oui. Oh, je pense que ça sera la dernière partie, hein.
Oh là là. Et tu vas perdre. Non, c'est toi qui vas perdre. C'est à moi de jouer. Tiens. 5. Ok. Ok. Nous avons beaucoup d'ingrédients, donc j'ai hâte de voir à quoi nos slimes vont ressembler. En premier, je vais rajouter les Orbeez. On dirait des petits pois. J'adore manger les mini burgers quand je vais à la plage. Maintenant, on va rajouter des petites éponges. On commence avec la colle transparente Cléopâtre. Ouh! Waouh! Je vais changer la couleur de cette colle parce que je ne veux pas une colle transparente. Orange fluo! Et maintenant, des balles de polystyrène. Il faut un peu de bleu. On commence avec des paillettes bleues. Oh! Waouh! On dirait des étoiles. Ajoutons des vraies étoiles. Oh! Oh là là! Qu'est-ce que c'est magnifique! J'adore ce slime. Waouh. Oh, j'ai envie de mettre ma tête à l'intérieur. Non. Oh là là, je n'ai pas envie de le malaxer, il est trop beau comme ça. Oh. Mais ça se trouve, il sera encore plus beau quand tu vas le malaxer. Bah peut-être, pourquoi pas. Allez. 3, 2, 1. Le tien aussi, Verity. Merci. Oh là là. Oh. Oh. Alors, on va rajouter l'arôme de fraise. Comme ça sent bon. Oh, ça sent bien la fraise. Ça sent la colle. Oh. Oh. Je suis jalouse. Mon slime a bien changé, hein. Et maintenant, si on ajoutait un peu de solution magique. Je vais aussi rajouter de la solution magique. Le slime commence à prendre forme. Ah, mon slime n'est pas très élastique. Il y a beaucoup trop d'ingrédients, j'ai l'impression. Et toi aussi? Oula,
ce que je trouve. Oh, on n'a pas mis beaucoup de colle, mais beaucoup trop d'autres ingrédients, je trouve. Oui. Je préfère quand le slime est élastique. Oh là là, mon slime, qu'est-ce qui se passe? Oh non, les amis, j'ai l'impression que mon slime est en échec. Oh, tout se désagrège. N'oublie pas, Verity, nous avons un dernier ingrédient chacune. Peut-être qu'on peut l'ajouter et voir si ça change quelque chose. Oui. Moi, j'ai de la pâte à modeler. J'ai du slime préfabriqué. Allez, on va y mettre au-dessus. Bah oui. Je le mélange. Oh. Avec mon slime. Ah. Oh non, ça fait... Oh là là, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le mien va bien se mélanger au slime? Ben si. Mais il y a des orbis là, un peu partout. Non, ça ne mange pas. Mon slime reste ici. Non, ça ne veut pas se... Ça ne veut pas se mélanger. Allez. Ça ne veut pas se mélanger. Allez. Attends, est-ce que c'est ça? Oh. Il veut pas être malaxé. La pâte à modeler a rendu mon slime un peu plus élastique. Waouh, wow. On dirait un chicken nugget du McDo. Moi, c'est catastrophique. Ça ressemble à un cerveau qui a mangé des petits pois. Oh là là. Je malaxe. Mais ça ne change rien. Les petits pois, ils sortent au contraire. Alors que toi, ta pâte à modeler, elle reste. Au moins, je m'amuse quand même. Moi aussi. Le slime reste toujours satisfaisant. Oh là là, c'est quand même joli, je trouve. Une tarte à la fraise. On dirait, hein, avec cette odeur. Waouh. Ouais, c'est devenu plus élastique. Voilà, nous avons terminé nos slimes. C'était un peu difficile cette fois-ci parce que nous avons mis peut-être beaucoup trop d'ingrédients à l'intérieur. Les amis, qu'est-ce que vous préférez comme slime? Mon slime ou le slime de Chelsea? Bah, au moins, on s'est bien amusé. Oui, c'était trop bien. Au revoir, les copains et les copines.